Et voilà le travail, un nouveau live mending mon ami. Oh quel plaisir. J'ai pas besoin de faire de raid. Alors on fera quand même un raid pour le plaisir. Donc vous savez les méchants pillagers qui viennent envahir le village. Et nous on va les affronter hein, les pilleurs. Excusez-moi, I'm Englishman in New York hein, finalement. Et voilà, et donc on fera quand même ça. Mais vous voyez pour les échanges j'ai même pas besoin. Enderman. Attendez, je me concentre et je finis mon anecdote après, ok? Viens là mon ref. Mais... allez, viens! Allez! Enderman ou pas, c'est bon. J'ai foiré ma chance. De mon point de vue, forcément, bah, les mecs qui veulent gratter, et ben ça me casse les couilles. Oh! Ça va les refs? Attendez, regardez, technique de malade. Technique de malade. Ah. Oh non. Oh non. Oh, 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 oh. Diamant. Il y a du diamant. Voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait. 15 diamants, allez, c'est parti. Ah voilà. Oh putain. Ah oui, d'accord. Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Bon là il est plutôt minuit, hein. Il est plutôt minuit, c'est pas faux. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de notre aventure sur Madventure. 11e épisode, on va construire le musée de Madventure, vous avez vu le titre. Et comme ça je vais pouvoir expliquer à ceux qui n'auront pas la ref un petit peu tout ce qu'on va faire. En tout cas ce qui est sûr c'est que les anciens auront la ref et j'espère que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui on va construire la maison emblématique de la série. Vous allez bien sûr très vite comprendre pour les noms nostalgiques finalement qui n'étaient pas là à l'époque, et il n'y a pas de problème, vous allez vous régaler. Alors les amis, vous avez vu du coup un petit peu le best-of finalement, enfin le best-of, c'est pas vraiment best-of parce qu'il y a eu beaucoup d'autres moments, mais les moments importants pour l'aventure Madventure, donc en live, j'ai un petit peu fait des choses en off. Alors la cuisine on l'a un petit peu mieux fait, j'ai... ranger un peu mieux les coffres, ça y est ça commence à prendre forme, j'ai fait de nouveau l'escalier du bas parce que ben on avait un petit souci d'escalier, voilà là comme ça on est vraiment nickel. Bon faudra refaire les décorations bien sûr mais voilà là on a des escaliers bien larges comme Arthur ça lui plaît et comme moi ça me plaît finalement. Voilà, j'ai récupéré du coup... merde, j'ai récupéré des nouveaux livres mending, donc on en a 3 au total. Et par contre je vais faire un truc les gars, parce que vous voyez ma pioche elle se répare, c'est génial. Mais ma hache, même si elle est que efficiency 2, bah en vrai ça me fait chier de devoir la réparer. Donc vous savez ce qu'on va faire? Et ben on va l'enchanter mending directement, si c'est possible. Après on pourra toujours améliorer bien sûr la pioche. Mais voilà, ça va nous permettre, regardez déjà, je vais récupérer la bouffe. Hop, et là ça va me permettre de réparer la hache. Et c'est assez sympa, bon il n'y a pas non plus énormément d'XP à récupérer là-dedans. En tout cas voilà, donc j'ai un petit peu réaménagé tout ça. J'ai pas vu trop de commentaires d'ailleurs concernant le salon, ce que vous en pensiez. Voilà je suis un petit peu triste, vous en pensez quoi les gars, vous aimez bien ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop de retours à ce niveau là. J'ai réduit l'enclos parce que du coup ça me saoulait, voilà j'ai réduit l'enclos. Bon là on, et vous savez quoi, on pourra se faire un petit chemin sympa avec des slabs et tout là. Ça pourrait être cool. Voilà, la machine à vache et à mouton, un dernier check, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très bien pour le coup. Quel plaisir, je suis content hein. Ah je suis content hein. Maintenant que ça fonctionne je suis très content. Les avis étaient mitigés concernant la cheminée et la cuisine, donc bon ça c'est sûr, je m'y attendais de toute façon. C'est tout à fait normal. Les petits loups je les ai mis à l'abri parce que des fois il pleut donc c'est absolument terrible. Voilà, et puis je suis en train de farmer encore du bois justement, et vous avez compris, puisqu'aujourd'hui on va construire donc la maison emblématique de Madventure. En fait qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas les amis? Et bien tout simplement la première saison de Madventure, alias le monde de MColo à l'époque, et bien j'avais construit une maison dans laquelle on est resté quand même un bon bout de temps. Autour de cette maison on a construit plein de choses avec les acolytes. C'est un petit peu finalement l'idée de ce qui se passe ici. Vous voyez que je suis en train de m'installer là, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire au fur et à mesure, même avec peut-être en multijoueur des acolytes. En tout cas ce qui est sûr, est-ce que je vais inviter des abonnés peut-être? Voilà, comme ça je réponds tout de suite à la question. En tout cas, c'était une maison qui était ultra moche. Pour le coup, elle était ultra moche, ultra simple, ultra basique, hein, avec du bois de chêne, de la cobble, une base en stone brick. Et puis c'est tout, voilà. Et pour autant tout le monde l'a apprécié parce que, eh ben, nostalgiquement parlant, voilà, c'est emblématique. C'est emblématique, mais c'est vrai que c'est pas j'ai bien rangé les coffres, hein. Ça c'est formidable, hein. Voilà, c'est pas le truc, c'est pas la maison la plus stylée du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ça c'est sûr. En tout cas, ceci étant dit, ceci étant fait, on va la faire. J'ai ma petite idée de où c'est qu'on va la faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris des notes justement sur les épisodes pour pouvoir la reproduire. Parce que malgré qu'elle soit simple et moche, eh ben c'est complexe mine de rien à reproduire le plus fidèlement possible. Donc on va essayer de faire quelque chose. Bon là j'ai essayé de gratter pour réparer ma hache, mais manifestement ça ne sera pas possible. On va dormir et on va aller sur notre spot, là où on va construire la maison. J'espère que ça va vous aller. Et en gros l'idée c'est que y avait un sous-sol avec un nether artificiel. Alors on va peut-être pas le reproduire à l'identique parce que ça serait trop compliqué, mais on fera un nether artificiel. Et tout simplement ce sera un musée. Donc dans ce musée il y aura peut-être on verra ce qu'on y mettra, hein. Vous me proposerez en commentaire vos idées, mais voilà. Et on pourra la relier d'ailleurs à notre maison de manière souterraine. Et moi je pensais justement à la faire au point le plus haut et le plus plat, à savoir ici. Voilà, moi je pensais la faire ici, la maison. Ça me semble pas mal parce que finalement il y a de la place, il n'y a pas besoin de plus. Et ça ressemble un peu à la colline de Madventure. C'est à peu près la place qu'on avait. J'ai même pas besoin de terraformer. Et ça c'est absolument génial. Donc on va s'en occuper. Je vais même pas faire de coupure pour le début parce que vous allez voir, c'est ultra simple à faire. Alors j'ai un papier à côté de moi, j'ai noté les dimensions de la maison. J'ai vraiment, je me suis calqué sur mes vidéos pour essayer de reproduire le plus fidèlement. En tout cas les gars, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Si c'est le cas, le pouce bleu et surtout l'abonnement qui fait extrêmement plaisir. C'est gratuit, donc vraiment allez-y, n'y allez pas de main morte, hein. Et puis le petit commentaire qui fait plaisir également. Par contre le creeper lui il va nous la faire à l'envers. Donc je préfère tout de suite qui dégage. Et d'ailleurs on a récupéré plein de diamants durant le live. Une quinzaine de diamants. Voilà, mais vous l'avez vu dans le début d'épisode. Alors du coup, comment on fait? Si je dis pas de bêtises, j'ai fait des coins directement avec des bûches de bois, hein, comme là-bas. Mais c'est un peu plus basique que ça, vous allez le voir. Alors attendez, je réfléchis, la porte d'entrée on va la faire ici. Donc si la porte d'entrée on la fait là, ça va ressembler à ça. Souvenez-vous, il y avait une cascade d'eau. Et ben la cascade d'eau elle irait vers là. Alors on va peut-être pas faire la cascade d'eau parce que ça casserait tout mon délire du cratère, mais vous avez compris l'idée. Donc la porte sera là. Donc ça veut dire que je vais mettre... Ça va être parfait là. Ça va être absolument parfait. Donc attendez, j'ai mon papier. Il faut que j'avance. Ah oui, mais j'ai pas le nombre de blocs. Alors c'est pas grave, on va faire dans l'autre sens. Donc là ça fait... Alors toujours une base dans stone brick, hein. Donc 1, 2, 3. Et là au quatrième je crois qu'il y a la porte. Ensuite... donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Normalement c'est ça. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est assez cohérent. Ouais, c'est exactement ça. Super, en plus ça laissera de la place derrière. Parfait. Par contre du coup ici il y a ça, hein. Voilà. Ok. Je me souviens plus comment j'avais fait les traverses. Je crois que j'avais fait les traverses justement pourries, quoi, hein. On est d'accord, j'avais fait ça. Je sais plus, faudra que je revérifie les épisodes réellement. Ensuite on est sur 10 blocs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là le 10ème. On va voir si c'est cohérent parce que quand on va refermer... Donc c'était une maison en L, souvenez-vous, vraiment très originale. Là on revient de 4, 1, 2, 3, 4. C'est ça, c'est exactement ça. Avec d'ailleurs ici une grande fenêtre. Donc ça sert à rien que je rebouche parce que je sais que là il y aura une grande fenêtre. Voilà. Et donc normalement si les comptes sont bons, on va revenir de 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ah merde. Non attendez, j'ai chié dans la colle. Non attendez, j'ai oublié une partie. J'ai oublié une partie. Non attendez. Non du tout. Là il y a 8 blocs. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Bah oui, non mais je suis vraiment débile moi. Là je suis débile vraiment. Au milieu là, pile là, il y a une grande fenêtre. C'est exactement ça. Avec, alors je me souviens que là c'était de la stone brick. Parce que là j'ai les screens à côté de moi, hein, pour cette partie de la maison. Et là il y avait de la cobble. Non mais pourquoi j'ai fait ça à l'époque? J'étais complètement débile. J'étais complètement débile à l'époque, on est bien d'accord. Bon voilà, donc là c'est ce que je disais. Avec les deux blocs ici et la grande fenêtre. Enfin la grande fenêtre, si on peut dire grande fenêtre. Et là normalement c'est censé se rejoindre avec 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les calculs sont pas bons, mais au pire c'est pas grave, je pense que ça doit pas poser trop de problème. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est bizarre ça. J'ai l'impression que les calculs sont pas bons. Est-ce que là ça va être symétrique? C'est ça, ça la vraie question. Il faut que... Je sais que c'est une grande baie vitrée là, et qu'il y a de la cobble ici. Attendez, j'essaie de regarder les screens, parce que vous savez que le FOV sur mes screens à l'époque c'est compliqué, hein. Là il y avait l'escalier qui descend, là l'escalier qui monte, là il y avait tous mes coffres. Là il y avait une poubelle, je m'en souviens. Ça me paraît pas mal et ça m'a l'air plus petit. Ça m'a l'air plus petit qu'à l'époque. Mais après à l'époque j'étais comme ça aussi, hein. Ah bah oui, oui c'est sûr. Oui d'accord, c'est horrible. On va se remettre en FOV 80. Voilà un petit peu l'idée. On va directement, bah ça me permettra de voir si les dimensions sont bonnes au pire. On va directement mettre les stone brick stairs. Donc pour monter à l'étage. Comme ceci, comme cela. Alors j'avais mis combien d'escaliers? 3 blocs de hauteur. Et après c'était de nouveau du bois. Le plancher directement là. Est-ce que c'est possible? C'est fort possible. C'est fort possible, mais j'ai l'impression qu'il y a un escalier en plus. Oh là, attendez, il y a un truc qui est bizarre là. J'essaie de regarder les screens, j'y arrive pas. Si je me mets là comme ça... le toit il était un peu plus haut. Ouais bah le toit il devait être là en fait, hein, clairement. Ou alors il devait... Attendez, là il y a un problème. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. Il y a vraiment un truc qui m'échappe quand je regarde le screen. Ça monte de 1, 2... Bon déjà, regardez, on va reboucher également là. Parce que je sais qu'il y avait de la cobble. Et bien sur tout le mur. Sur tout le mur c'était de la cobble directement. Si je ne m'abuse. Et donc on est sur un 1, 2, 3. Il y a le quatrième aussi là-haut qui est bouché. Et donc au final quand je regarde le screen et que je regarde ça, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire les amis. Ça me rend nostalgique. Le quatrième on le voit presque pas. Et pourquoi on le voit pas? Et bien tout simplement. C'est vrai qu'il était serré l'escalier. Parce que c'était comme ça. Et que je mettais des blocs pleins à l'époque. Ah oui, je mettais des blocs pleins à l'époque. Non, ça me paraît bizarre ça. Ah si, c'est un bloc plein, bah voilà. Ah oui, je mettais des blocs pleins à l'époque. Putain quel débile. Ah ouais, moi j'ai... moi aujourd'hui je suis un radin, je mets des slabs, mais à l'époque je mettais des blocs pleins quoi. Ok, bah de toute façon on est là pour reproduire, donc bah, on va le faire. Ah oui, et donc là il y aura le balcon. Un balcon qui... Ah c'est parfait ça. C'est parfait, c'est bien calculé, je l'ai vraiment mis dans la bonne orientation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc bon, vous avez un petit peu l'idée de Madventure. Franchement je vous invite à aller regarder. Si vous voulez pas regarder, évidemment vous allez pas regarder l'ancienne aventure. Mais vous regardez genre l'épisode... Je sais plus l'épisode combien, mais si vous tapez Madventure, que va devenir la maison? Je crois le titre c'est que va devenir la maison. Et vous verrez un peu à quoi elle ressemble. C'est une catastrophe. C'est absolument une catastrophe. Voilà, là je fais directement le toit slash, c'est pas vraiment le toit, c'est surtout le sol du deuxième étage. Enfin du premier étage, parce que là on est au rez-de-chaussée. Par contre ça me stresse de mettre des blocs pleins. Oh mon dieu, quelle angoisse. Quelle angoisse. Et d'ailleurs c'était sur le balcon qu'il y avait tous les loups avec les noms des abonnés au début. Je m'en souviens. Voilà, c'est le petit moment nostalgie. Alors du coup on va en profiter pour faire une table de craft. Je me demande si j'en avais pas une à l'entrée. Je sais plus si j'en avais une à l'entrée. Non, il y avait une plaque de pression avec le jingle de Madventure, je m'en souviens ça. Hop. Bon la pluie c'est un peu chiant. Voilà. Ça c'est fait, oui si on reconnaît. Allez, je vais terraformer pour faire le sol en bois de chêne et je vous retrouve juste après. Allez, on est de retour, donc voilà un petit peu. Ça va rappeler quand même les souvenirs. Alors on va noter qu'ici il y avait une lampe de redstone, donc je vais casser ici pour qu'on le sache. Donc lampe de redstone plus torche en dessous. On en avait une également, donc là on avait en fait des doubles coffres. Alors on va pas mettre de coffres hein, parce que c'est un musée hein. Enfin si, on pourra mettre les coffres, remarque, mais je veux dire on va pas les remplir. C'est pas notre base, hein. Notre base elle est là-bas les amis hein, pour le coup hein. Donc double coffre ici, ici une lampe de redstone. Voilà, très important. Ensuite il y avait donc double coffre là. Un bloc de redstone ici. Enfin je veux dire tu m'as compris. Double coffre. Et là on se rend compte qu'en effet il y a un problème de dimension. Mais c'est pas grave, en fait il y a une largeur supplémentaire là. Il y a un bloc en plus normalement. Parce qu'il aurait dû avoir un double coffre là. Encore un espace et après une poubelle ou l'inverse, mais bref en gros il manque un bloc. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc là niveau symétrie c'est sûr, je me disais que... Ah oui, j'ai dû me faire trahir là peut-être. J'ai dû me faire trahir. Ah non, non là c'est bon là, je me suis pas fait trahir en fait. Ici ça devait être refermé. Mais c'est complètement débile, j'avais fermé avec de la stone brick. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune symétrie dans le bordel. Mais ça, c'est, je dois dire, c'est normal, c'était un choix. C'est ouf. Oh, j'ai fait quand même des dingueries, hein. J'ai fait des dingueries et vous avez suivi l'aventure et c'était génial. Bon, donc là, la porte, je sais plus si elle était entourée de stone brick là pour le coup. Donc hop, attendez, on va monter comme ça. Voilà. Voilà, donc là on avait la porte finalement, mais il n'y avait pas de table de craft. Donc je vais l'enlever, on va quand même respecter le truc. On va mettre la table de craft ici, même si on n'avait pas là. D'ailleurs la table de craft pour ainsi dire, regardez, on va faire les choses bien, la table de craft elle était là. Voilà, tout simplement. Là il y avait une jukebox, là il y avait une enclume. En tout cas à l'épisode où je regarde, hein. Après il y a eu évidemment des changements, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop se fier à 100% du bordel. Voilà, ça commence à rendre un truc. Par contre pour l'extérieur je sais plus du tout s'il y avait vraiment s'il y avait ça. Mais en fait je me connais et à l'époque je faisais tout le temps ça. Donc je pense qu'il y avait ça. Je pense qu'il y avait ça. Ouais, il y a vraiment un problème de dimension parce que là ça me paraît quand même étonnant. Ah non non, c'est ça, c'est bien ça. Et c'était du bois de... Mais non mais c'est catastrophique, hein. C'était catastrophique, hein, quand même, hein, ce que je faisais, hein. Qu'on se le dise. Ensuite il y avait ça. Ensuite là il y avait une bûche. Donc j'imagine qu'il va jusqu'en bas, rassurez-moi. Parce que si j'ai pas fait ça à l'extérieur, bah je suis vraiment une grosse merde. Mais c'est possible aussi que je l'ai pas fait. Ok, ensuite il y avait de nouveau ça là, hein. Attendez, c'est catastrophique. Là il y avait une grande fenêtre de 3. Et là ça se referme ici. Donc là les dimensions sont bonnes, de 4 pardon, pas de 3. Nickel. Ça ressemble à rien mais c'est exactement ça. Eh, vous savez que ça me rend nostalgique pour le coup. Bon là va falloir improviser parce que c'est pas exactement fidèle. Je sais que... Alors attendez, double coffre ici. Donc qui dit double coffre là, il y avait de la cobble. Vous voyez c'est pas symétrique. J'avais mis de la cobble là alors qu'ici j'avais pas mis de cobble. Non je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Même si c'est moche, autant faire un truc quand même. Parce que sinon c'est pas possible, hein. C'est juste pas possible. Alors là il y avait juste une seule fenêtre. Et là il y avait de la stone brick. Oh, sans déconner. Ah mais je me faisais des plaisirs, hein. J'avais 14 ans. Non j'avais 16 ans. En 2016 j'avais 16 ans. Voilà, et là on a une grande fenêtre. Eh, tu sais quoi, là on va laisser une grande fenêtre, au pire on s'en fiche. Non, il y avait une seule fenêtre. Bah, vous savez quoi, on va improviser le truc. Voilà, on va improviser le truc. Comme ça. Voilà. Ah, mais non, 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 regardez. Attendez. Hop, voilà, on a 16 ans, on n'oublie pas. Mais du coup, c'est que c'est pas. Ah, mais attendez, c'est pas, on va improviser un truc symétrique. Voilà, au moins. C'est pas mal, ok, là c'est cohérent, c'est ok. Là on reconnaît le premier étage. Là je crois que c'était quand même plus large, hein, si je dis pas de bêtises, il y avait un bloc de plus. Ouais c'est ça, il y avait un bloc de plus. Et donc là aussi il y avait un bloc de plus, c'est cohérent. Donc j'ai, bon c'est pas grave, ça fait une plus petite maison, c'est plus compact. C'est quand même un peu plus sympa. Bon je vais juste regarder maintenant mes vidéos de l'époque pour comprendre l'extérieur comment c'est. Parce que je sais plus trop comment c'était. Ok les amis je vous retrouve, j'ai un peu regardé mes vidéos. J'ai compris l'état d'esprit donc je vais pas refaire à 100%. Normalement ça devrait ressembler. Bon déjà là c'est vraiment pas fidèle malheureusement, du fait de la symétrie. Alors par contre je peux faire ça pour rendre un peu plus fidèle. Voilà. Donc par contre j'ai mon état d'esprit de l'époque. Alors c'est fou, n'hésitez pas à regarder l'épisode 28. Voilà l'épisode 28, vous voyez mon état d'esprit. Donc je sais à peu près, je peux rentrer dans la tête de MColo pour savoir comment faire. Et donc pour rentrer dans la tête de MColo c'est simple. À l'époque, hein. Donc il fallait continuer de faire les piliers de chaque côté, hein, ça de toute évidence. Voilà ça vous l'aurez compris, on n'échappe pas à la règle. Ok on fait donc les poteaux de chaque côté. Ensuite MColo il se dit quoi? MColo il se dit, alors attendez parce qu'il y a aussi un poteau qui est là au milieu. Alors rassure-moi d'ailleurs que c'est symétrique. Ah non c'est pas symétrique. Mais c'est pas grave. Et donc du coup je faisais ça. J'entourais de cobble le contour. Et la fenêtre elle était au niveau du sol en fait, hein. C'est ça, hein. Elle était carrément au niveau du sol, hein. Alors bon, à l'époque aussi, il y a eu beaucoup de changements en haut, donc on s'en fout, c'est un musée, on va pas reproduire, il y avait plusieurs pièces, ici il y avait ma chambre, je m'en souviens, il y avait même un sous-sol, etc. On va pas refaire ça, les amis, on va vraiment pas refaire ça pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est complètement débile. Là, j'avais pas mis de bois. Mais what the fuck? De toute façon, j'ai plus assez de bois, donc c'est pas grave. Eh mais, bon, bref, je me désespère. Là, il y avait le balcon. Donc là on essaiera quand même de refaire un balcon à peu près. Ah qu'est-ce que vous me faites faire les amis? Là aussi il y avait la fenêtre ici. Là je sais plus ce qu'il y avait mais je pense que c'était fermé. Donc on va fermer directement. Hop. Et là, pareil, hein, mon état d'esprit c'était faire un arc de cobble quoi. Oh. Ah c'est ça hein. Bon là il y avait plusieurs pièces comme dit, donc je saurais pas vraiment reproduire. On va se contenter de refaire la même symétrie qu'en bas, ce qui est justement horrible pour le relief, mais c'était l'état d'esprit de MColo en 2016. Oh bah j'ai fait la cascade d'eau. Ah eh regardez, c'est exactement ça. Regardez, c'est la miniature. C'est la miniature de l'épisode 28 je crois, de le monde de MColo. C'est exactement ça. Alors eh, on va laisser le bois là en croix. C'est vrai que c'est marrant, je me souviens pas avoir fait ça. Par contre ça oui. En fait je pense j'avais pas... Je pense ici j'avais utilisé de la cobble aussi hein. Attendez on va faire ça hein. J'avais pas fait de traverse à l'époque en fait. Je crois pas. Ou alors pas ici. Sur d'autres constructions peut-être. Ou d'autres parties de la maison. Mais pas là. Ah ou alors peut-être là. Bah non du coup. Ah j'avoue j'ai dû le faire que d'un côté de la maison, ce qui est complètement con. Par contre là je... c'est vraiment... Alors là vraiment les gars, pour ceux qui découvrent l'aventure aujourd'hui et qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait MColo, on est bien d'accord hein. Voilà, vous avez le droit de le dire, on est bien d'accord. Mais c'est le but du jeu, hélas. Vous m'aviez demandé de faire ça. Donc on le fait. Alors le toit c'est pareil. Le toit, par contre tu fais quoi là mon pote? Dégage. Le toit c'est un délire, comment je vais faire le toit moi? Moi je sais plus comment j'ai fait le toit. C'était une dinguerie, alors là là c'était le petit balcon. On va pas faire un truc trop grand et trop laid. Enfin dans tous les cas ce sera laid, mais je veux dire... On va pas refaire le même balcon qu'à l'époque avec un grand truc trop large, ce serait terrible. L'idée c'est juste de faire un clin d'œil et de se dire ah oui on dirait la maison de Madventure tu vois. Voilà. Pour le toit faut que je regarde de nouveau les vidéos. Ah non c'est trop. Non c'est trop les gars, bon je vous reprends. J'ai regardé l'épisode 28, 29, 30 et 31, j'ai regardé des petits bouts. Ah non c'est pas possible. Attends, redis-moi l'année quand même pour être sûr. Il y a 7 ans, c'était en 2015, encore pire, j'avais 15 ans. Je comprends mieux. Ah bon, non, c'est incroyable. C'est encore pire que pire que pire que pire. Donc déjà, dans un premier temps, j'avais raison. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de traverse. Par contre, la hauteur du truc, c'est bon. Mais en fait, j'avais quand même fait une base en stone brick ici. Tout autour. En fait, j'avais dû refaire, en fait, comme là, je suis en train de refaire. Ok. Et non, mais franchement, oh là 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 là, je vous jure. Hein, vous regardez, mais vous êtes dépités. Hein. Franchement. Hein. C'est un scandale. J'aurais dû aller en prison quand même. Ah, franchement c'est inhumain de faire, cette construction. Y'a rien qui va. Je comprends pas comment j'ai pu faire 25 000 vues à l'époque. Vraiment hein. Aujourd'hui plus personne regarde mes vidéos. Je ne comprends pas comment à l'époque vous avez pu regarder mon contenu. C'est improbable. C'est improbable. Bref. Oh là là c'est improbable. Voilà là c'est déjà mieux. Enfin c'est déjà mieux. Non c'est pas mieux hein. Mais voilà c'est exactement... C'est exactement ça. Donc là il faut juste à chaque fois refaire les hauteurs hein, finalement. Et alors pour le toit, je vais avoir du mal à le refaire fidèlement. Dans tous les cas c'est un toit moche, un toit débile, complètement couillon. Mais vraiment hein, je pèse mes mots hein, quand je dis tout ça hein. Je pèse mes mots. C'est un toit complètement débile. Donc ce qui est pas mal c'est qu'il suffira juste de faire un truc débile et ça fera l'affaire. Et ça fera l'affaire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah oui. Là je me suis un peu perdu là. Ok bah attends, je vais poser tout de suite et je casserai en dessous directement. Tac 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 tac. Eh bien salut tout le monde, c'est MColo. N'oubliez pas de mettre le pouce vert. Ouais à l'époque c'était des pouces verts. Alors attendez, hop hop, nickel. Oups. Un bonheur Madventure. Bon du coup là comme dit c'est pas pareil parce que malheureusement voilà mais... Alors là il y avait des fourneaux là. Là il y avait des fourneaux je m'en souviens. Là, ah oui là ça passait pas. Ah si ça passe. Pourquoi ça passait pas à l'époque ici? Mais j'ai pas dû reproduire exactement pareil hein. Et alors pour ce qui est du balcon c'est encore plus drôle. Parce que le mec qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, regardez. Alors comment je vais pouvoir faire, je ne sais pas. Bah, il a fait en fait tout un contour de bûche comme ça. Complètement con. Donc pareil symétriquement c'est pas pareil. Mais c'est pas grave. Par contre on va vraiment reproduire le plus petit possible le balcon hein, vraiment voilà. Donc ensuite. Ah j'ai plus de bûche. J'ai plus de bûches, mais vous l'aurez compris, donc hop, le balcon comme ça, et c'est pas mal. Bon là, faudra remettre des bûches aussi là. Faudra en mettre une ici, faudra en mettre une ici. Et tout autour, parfait. On va juste dodo. On va juste dodo, bah on va couper le bois directement. De toute façon on va s'en arrêter là pour cet épisode parce qu'on est sur la vingtaine de minutes. Et vous préférez les épisodes quand même qui font 20 minutes et pas non plus beaucoup plus. Et je peux le comprendre parfaitement. Donc je vais un petit peu continuer en off la maison / la terminer. Elle est absolument dégueulasse, je ne comprends pas hein. Je ne comprends pas comment c'est possible. En plus le balcon il a l'air d'être super bas. Comment ça se fait qu'il a l'air super bas? Ah mais parce que c'était... Oui, parce que c'était en haut de la falaise aussi à la base. Alors que là on est quand même plus proche... Ouais bref. Ok bon on va voir. J'ai hâte de lire vos commentaires. C'est des barres. C'est vraiment des barres. On se retrouve très vite pour le prochain épisode les amis. Je vous fais plein de bisous. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le like, le commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et l'abonnement si vous n'êtes pas abonné. Ne ratez pas les prochaines vidéos parce que ça va être masterclass. Puis on va retourner dans le Nether très bientôt. Des bisous à la prochaine. Ciao tout le monde.